ça a été une belle aventure parce que je jouais à ce moment-là au théâtre Héberto, je pense, et j'ai vu une petite jeune fille s'approcher avec un petit jeune homme. J'ai cru qu'ils allaient me demander un autographe, ils étaient si jeunes, si... Et elle me dit, je fais un film, et j'ai dit, mais oui, d'accord, mais c'est qui fait le film? Elle m'a dit, c'est moi. Là, j'étais vraiment estomaqué, puis elle m'a tendu le script, et puis... Après, nous avons fait une lecture et tout ça, c'est enchaîné. Tu fais quoi aujourd'hui? Je vais à l'enterrement de M. Treille. Oh non, t'as pas autre chose à foutre de tes vacances? J'aimais bien M. Treille, et puis... C'est mon premier enterrement. On n'y va pas, je veux que tu gardes un œil vierge pour le mien. Je me suis mis facilement dans la peau, étant donné que c'était presque moi, quoi. Un vieillard qui gueule un peu contre Dieu, qui n'est pas très gentil, et qui a toujours des espèces de réminiscences de sexualité, car c'est une chose qui ne quitte jamais, j'ai l'impression, l'homme. Chercher quel air j'aimais quand j'étais jeune. Parce qu'évidemment, moi aussi je fais ça, les airs que j'entendais quand j'étais jeune, c'est, ça rappelle des images, ça me rappelle ma vie, en somme. Hello chérie, eh bien chérie. Et puis elle savait que je fumais le cigare. Alors elle m'a foutu un cigare dans la gueule. Vous voyez, elle savait employer le personnage, elle savait le manipuler. Tu es très belle. Hein? C'est vrai? Oui. Tu seras aussi belle que ta maman. Qu'a-t-elle qui les verrait? Là, elle a choisi une petite. Elle l'a choisi dans un lycée. Hein? C'est une petite qui fait ses études. Hein? Et le jeune homme aussi, qui est merveilleux, qui a la pureté de son regard. Et c'est très joli, leur idylle, c'est magnifique. Quand il lui dit, montre-moi tes seins, c'est d'une beauté, d'une pureté. Et on sent le premier amour. C'est beau comme du Musset, quoi. Je crois que finalement, elle avait bien choisi ses acteurs, notre qui les verrait. Qui les verrait, verra. C'est con, mais c'est dit. À l'esprit.